Oh.
jamais le Dieu est grand, vraiment grand. Jamais le Dieu est grand. L'armée de Jésus, l'armée de Dieu est grand, seulement l'armée de Dieu est grand. Acclamons le roi des rois, le tout-puissant, celui dont la main est grande. Merci à l'Otagbaé. Le Dieu, le Tout-Puissant. Oh, Maou, Ronflon Labinon. Dont la main parcourt toute la terre. Et alors, ton nom, Aïkouma Abidie. L'univers est dans sa main. Aïkouma Abidie, alors ton main. Comme un grain de sable. Ikokouidon. Et ses yeux parcourent toute la terre. Oh, nous comptons Labinon, Aïkouma Abidie. C'est ce Dieu que tu adores. Maou, Enyansé, regardez. Le Tout-Puissant est son nom. Alors tu l'acclames. Et tu l'acclames. Le simple fait de commencer à l'acclamer. Lui, du haut des cieux, avec les anges, commence à balancer les bombes dans le camp de l'ennemi. Acclamons le roi des rois. Seigneur Jésus, merci. Et tu vas saisir l'occasion. Tu vas saisir cette occasion pour élever la voix, pour dire Seigneur merci de m'avoir donné la grâce d'être en ce lieu. Pour ce moment, nous sommes à l'heure de prières ou de combats offensifs. Et donc tu dis remercie à Dieu, tu le remercies de le privilège qu'il te donne d'être en ce lieu, car nous voulons commencer les choses. Gloire à Jésus, Seigneur, te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Nous savons que tu es Dieu. Et dans ton amour, tu nous donnes la grâce d'être en ce lieu pour ce combat de prière offensive, prière agressive. Seigneur Jésus, nous savons que la victoire est déjà là, car nous combattons dans la victoire. Tu le remercies. Tu le remercies. Tu le remercies et tu élèves ta voix. Tu dis Seigneur, je veux passer ce moment à tes pieds. Je veux passer ce moment en ta présence. Toi qui es le Dieu infiniment saint. Seigneur, aucune souillure ne peut s'approcher de toi. Aucune souillure. C'est pourquoi en ce moment, je viens, Seigneur, à tes pieds pour te demander pardon pour tout ce qui a souillé mon âme, tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Tu demandes pardon. Tu demandes à Dieu de te pardonner. Seigneur, tu me connais. Tu sais qui je suis. Tu me connais, tu sais qui je suis. Tu connais l'état de mon âme. C'est pourquoi ce soir, pour ce combat, je ne veux avoir rien de l'ennemi en moi. Je ne veux rien avoir appartenant à l'ennemi dans ma vie. C'est pourquoi, Seigneur, je viens te demander pardon pour tout comportement malsain. Tout comportement malsain. Tout propos déplacé. Tout propos déplacé dont j'ai fait preuve. Seigneur,
J'ai eu à faire preuve de l'hypocrisie. J'ai eu à faire preuve de l'hypocrisie. Des murmures. Ce que tu n'aimes pas. J'ai fait ça. Et ta parole me dit. Si nous disons que nous n'avons pas péché, alors la vérité de Dieu n'est pas en nous. Et nous faisons de Dieu menteur. Mais si nous acceptons, nous confessons le péché, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. C'est pourquoi ce soir, à tes pieds, je demande pardon, Seigneur. Il est dit dans la parole de Dieu, aucun homme ne peut s'estimer juste devant Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour ce combat, Seigneur. Viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur Jésus. Pour ce combat, Seigneur. Je veux vivre ta présence. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. J'implore ton pardon. J'implore ta miséricorde. Seigneur Jésus, sans toi, je ne peux rien ce soir. Le combat de ce soir est ton combat. Le combat de ce soir est ton combat. Supplions Yahweh, aie pitié de nous, Papa et Papa. Nous sommes tes enfants. Dis Seigneur, me voici devant toi. Je ne suis pas digne. Seigneur, je suis devant toi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, Seigneur. Seigneur, me voici. Me voici. Seigneur, me voici. Me voici. Je ne peux pas me cacher devant toi. Je ne peux pas me cacher devant toi. Je ne peux pas me cacher devant toi, Seigneur. Je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas me cacher. Seigneur, je t'en supplie cette soirée. Merci. Ne me laisse pas surmonter par l'ennemi cette soirée. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, je t'en supplie. Mes péchés sont exposés devant toi. Mes péchés sont exposés devant toi. Seigneur, je suis nu devant toi. Je ne suis pas caché. Seigneur, aie pitié de moi cette soirée. Seigneur, aie pitié de moi cette soirée. Seigneur, aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme. Pardonne-moi cette soirée. Mes péchés m'accusent. Mes péchés me condamnent. Mes péchés m'accusent. Seigneur Jésus. Je n'ai que toi pour me sauver. Je n'ai que toi qui peux m'arracher de la condamnation du péché. Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ce soir, je t'en supplie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Je crie à toi cette soirée. Je crie à toi en ce moment. Parce que je ne suis pas digne.
Je ne suis pas digne. Je crie à toi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Si je dis que je n'ai pas péché, je me condamne moi-même. Si je dis que je n'ai pas péché, oh Seigneur, je donne accès à l'ennemi de me torturer. Mais Seigneur, je reconnais mes péchés. Et accepte mes péchés devant toi. Tu me dis si je suis docile. Adam, et que je suis obéissant. Nous, c'est ton nom. Que je mangerai les bons fruits du pays. Seigneur. Il me dit, même si mes péchés sont comme la croix moisie, que tu vas me blanchir. Seigneur, lave-moi ce soir. Tu dis que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Seigneur, je suis venu à toi avec mes péchés ce soir. Je suis venu à toi avec mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Ne me rejette pas, Seigneur. Ne me rejette pas, Seigneur. À qui irai-je? À qui irai-je, Seigneur? Tu as les paroles qui libèrent. C'est toi qui es allé à la croix. Et c'est ton sang qui nous sanctifie. Que ton sang me lave cette soirée. Que ton sang me lave maintenant. Que ton sang me justifie maintenant. Jésus, que ton sang me justifie maintenant. Jésus, que ton sang me lave maintenant. Jésus, j'ai implore ton sang maintenant. Jésus, implore ton sang maintenant. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. C'est le moment. Le Seigneur est là. Dis, Seigneur. Que l'eau qui est sortie de ta côte à la croix, que ton sang me lave maintenant. Que cette eau maintenant me purifie. Que cette eau me rend pur. Que cette eau me rend pur maintenant. Que cette eau me rend pur maintenant. Ta parole me dit, Seigneur, le Saint-Esprit. Le sang et l'eau sont d'accord. Seigneur, que ton esprit me purifie. Seigneur, que ton sang me lave. Et que ton eau me rend pur cette soirée. Seigneur, rends-nous pur cette soirée. Seigneur, rends ton église pur cette soirée. Rends ton église pur cette soirée. Rends ton église pur cette soirée. Jésus, tu es mon sauveur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Jésus, tu es mon sauveur. Sanctifie-moi, sanctifie-moi.
Christ, Seigneur. Purifie-moi. Lave ma robe en ce moment. Seigneur, lave ma robe en ce moment. Seigneur, purifie ma robe. Lave ma robe, Seigneur Jésus. Lave ma robe maintenant. Seigneur, lave ma robe. Il me dit que celui qui lave sa robe dans le sang de l'agneau, lave ma robe, Seigneur Jésus. C'est celui-là qui aura part à l'arbre de vie. Seigneur, voici ma robe. Seigneur, lave ma robe. Seigneur, lave ma robe. Seigneur, lave ma robe. Jésus, lave ma robe. Jésus, lave ma robe maintenant. Jésus, lave ma robe. Seigneur, lave ma robe. Que je ne sois comme un intrus qui t'a infiltré parmi le peuple. Que je ne sois pas celui qui est étranger. Et qui t'a infiltré dans ton peuple ce soir. Mais que je sois celui qui est dit. En étant dans la robe. Seigneur qui m'est destiné. N'avoir pas à la réunion de ces soirées. Seigneur, lave ma robe. Jésus, lave la robe de ton peuple. Lave la robe de chacun de ton peuple. Seigneur, lave la robe de chacun de nous cette soirée. Nous te plorons amèrement. Nous te plorons amèrement. Seigneur, ne nous laissons pas. Seigneur, ne nous laisse pas. Jésus, ne nous laisse pas. Jésus, ma Dieu, mido. Sanctifie-moi. Tu peux commencer par remercier le Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as sanctifié. Merci Jésus parce que tu m'as purifié. Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus parce que tu m'as sanctifié. Merci Jésus parce que tu m'as purifié. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu m'as purifié. Merci Jésus parce que tu m'as sanctifié. Merci Jésus parce que tu m'as purifié. Merci Jésus. Amen. Amen. C'est au nom de Jésus nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus le Seigneur nous a sanctifié. C'est au nom de Jésus le Seigneur nous a purifié. C'est au nom de Jésus le Seigneur nous a rendu saints. Cette soirée au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Gloire à Jésus. Acclame le Saint-Esprit pour ta vie cette soirée. Alléluia. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, comme vous le savez, nous sommes ici pour cette soirée pour prier. Alléluia. Et ce moment, c'est un moment important. C'est un moment très important dans la vie de chaque chrétien. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais que vous soyez attentifs. Que chacun de vous vraiment soit habile pendant ce moment. Ne dormez pas. Nous ne sommes pas venus ici pour dormir. Si vous avez laissé votre natte à la maison, si vous avez laissé vos lits à la maison, et vous êtes venus ici, c'est parce que vous voulez prier. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes en éveil, à cause de la prière agressive, c'est parce que vous voulez prier. Alors ne dormez pas. Alléluia. Alléluia. Mais je prie que chacun de vous, que chacun de vous participiez ce moment. Et je sais que ce soir, le Seigneur fera de grandes choses dans votre vie. Je sais que ce soir, la victoire est assurée dans la vie de chacun de nous. Alléluia, parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu victorieux. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu puissant. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui nous accompagne dans le combat.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut prier cette soirée? Tu vas te lever et nous allons commencer. Tu vas te lever et nous allons commencer. Tu vas te lever. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, me voici ce soir. Je vais faire face au monde des ténèbres. Je vais faire face au monde des ténèbres. Seigneur, aide-moi cette soirée. Seigneur, réveille-moi de tes amis. Seigneur, équipe-moi cette soirée. Seigneur, capacite-moi cette soirée. Afin que je sois efficace. Afin que je sois capable d'affronter le monde des ténèbres ce soir. Est-ce que tu peux prier avec moi? Commence par prier ainsi. Dis, Seigneur, Seigneur, en ce moment même, en ce moment, j'ai besoin de tes équipements. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta capacité. J'ai besoin de ta capacité. J'ai besoin de tes équipements. J'ai besoin de tes équipements. Ainsi, équipe-moi cette soirée. Seigneur, équipe-moi cette nuit. Seigneur, capacite-moi maintenant. Capacite-moi, Seigneur. Seigneur, équipe-moi maintenant. Seigneur, équipe-moi. Seigneur, équipe mon âme équipe en ce moment. Mon âme, Seigneur. Rends-moi capable cette soirée. Rends-moi capable d'affronter le monde des ténèbres. D'affronter le monde. Seigneur, réveille-moi de tes armures. Seigneur, réveille-moi de tes armures. Prie, dis Seigneur, réveille-moi. Rends-moi capable d'affronter le monde des ténèbres. Seigneur, rends-moi capable en ce moment. Seigneur Jésus, rends-moi capable en ce moment. Seigneur, rends-moi capable en ce moment. Rends-moi capable, rends-moi capable. Prie. Seigneur Jésus, rends-moi capable. En ce moment, pendant que tu pries maintenant, reviens-moi de ton amour. La main du Saint-Esprit te repose sur toi. Seigneur, reviens-moi de ton amour. La main du Saint-Esprit se repose sur toi. La main du Saint-Esprit te repose sur toi. Seigneur, la main de Dieu, la main de Dieu sur moi. En ce moment même, la main de Dieu sur moi. Le Dieu qui peut te capaciter. Reviens-moi de ta capacité. Le Saint-Esprit qui peut t'équiper. Seigneur, il a en ce moment. Reviens-moi de ton amour. Pour t'équiper maintenant au nom de Jésus. Équipe-moi, Seigneur. Pendant que tu pries maintenant, Seigneur, équipe-moi. Tu dis, Seigneur, Seigneur, emplis-moi de ta force. Emplis-moi de ta force. Emplis-moi de ta force. Emplis-moi de ta force. Emplis-moi de ta force maintenant. Emplis-moi de ta force. Emplis-moi maintenant. Emplis-moi maintenant. Emplis-moi de ta force. 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 Élève ta voix, tu pries. Seigneur, emplis-moi de ta force. Emplis-moi de ta force. Emplis-moi de ta force. Emplis-moi de ta force maintenant. Emplis-moi de ta force maintenant. La force du Saint-Esprit vient sur toi. Seigneur, emplis-moi de ta force. La force du Saint-Esprit vient sur toi maintenant. Emplis-moi de ta force. La force du Saint-Esprit vient sur toi. Seigneur, emplis-moi de ta force. La force du Saint-Esprit vient sur toi. La force du Saint-Esprit vient sur toi. Pendant que tu pries maintenant, Seigneur, reviens-moi de ton esprit. La force du Saint-Esprit vient sur toi. La force du Saint-Esprit vient sur toi. Maintenant, au nom puissant de Jésus, pendant que tu pries maintenant, tu reçois le casque du salut. Pendant que tu pries maintenant, tu reçois la curade de la justice. Pendant que tu pries maintenant, tu reçois maintenant la sainteté de la vérité. Je reçois la sainteté de la vérité. Pendant que tu pries maintenant, tu reçois maintenant les chaussures du zèle. Pendant que tu pries maintenant, tu reçois l'épée maintenant. Tu reçois l'épée en ce moment. Je reçois l'épée. Tu reçois l'épée en ce moment. Je reçois l'épée. Tu reçois l'épée en ce moment. Je reçois l'épée. Tu reçois l'épée en ce moment. Je reçois l'épée. Pendant que tu pries maintenant, tu reçois le bouclier. C'est le bouclier anti-missile. Je saisis le bouclier. C'est le bouclier anti-missile. Maintenant tu reçois le bouclier. Maintenant tu reçois ton bouclier. Je saisis le bouclier. Ton âme reçoit le bouclier. Ton esprit reçoit le bouclier. Maintenant au nom de Jésus. Et en ce moment maintenant, la Bible me dit, l'esprit de Dieu vient sur Samson. Et une fois saisissait Samson. Et Samson peut renverser des milliers de personnes. Cette force est encore disponible cette soirée. Cette puissance te descend sur toi maintenant. Et te rend anormal. Contre tes ennemis cette soirée. Cette force te rend anormal. Contre tes ennemis cette soirée. Cette force qui
que, qui se repose sur toi maintenant te rend anormal contre tes ennemis maintenant. Et ainsi, en ce moment, je prie, je déclare que la puissance d'en haut te saisit. Que la puissance d'en haut te saisit. Que la puissance d'en haut descend sur toi. Que la puissance d'en haut te saisit. Que la puissance d'en haut te saisit. Maintenant, ça te passe. Maintenant, ça te passe. Maintenant, ça te passe. Maintenant, ça te repose sur toi. La puissance d'en haut maintenant. La puissance d'en haut. La cette puissance a saisi Pierre. Pierre pouvait affronter 3000 âmes. Pierre pouvait affronter 3000 démons. Dans la vie de 3000 personnes. Maintenant, au nom de Jésus, cette puissance qui est incapable et pourra faire de toi un homme efficace, une femme efficace pour affronter tes ennemis ce soir. Au nom de Jésus, te reposant sur toi. Au nom de Jésus, te reposant sur toi. Au nom de Jésus, te reposant sur toi. En ce moment, ce lieu est couvert par le feu. Ce lieu est couvert par le feu. Ce lieu est couvert par le feu. Au nom de Jésus. Ce lieu est couvert par le feu. Au nom de Jésus. Ce lieu est couvert par la voix de Dieu. Ce lieu est couvert par la puissance de Dieu. Ce lieu est couvert par le feu. Ce lieu est couvert par la puissance d'en haut. Couvert par la puissance de Jésus. Je lui ai couvert par la puissance de Dieu. Je lui ai couvert par le feu maintenant. Et tu sens la puissance de ce feu en toi. Ce feu vient pour animer ton esprit. Ce feu vient pour animer ton âme. Ce feu vient pour animer ton âme. Ce feu vient pour animer ton esprit. Ce feu vient pour animer ta personnalité. Ce feu vient pour Aya. Pour agir dans ta vie maintenant. Dis Seigneur que ton feu me saisit maintenant. Que ton feu me saisit maintenant. Que ton feu me saisit maintenant. Que le feu de Dieu me saisit. Que ton feu me saisit maintenant. Que ton feu me saisit maintenant. Que ton feu m'enflamme maintenant. Que ton feu m'enflamme. Que ton feu m'enflamme mon âme. Que ton feu m'enflamme. Que ton feu enflamme mon âme. Que ton feu enflamme mon âme. Que ton feu enflamme mon âme. Seigneur, enflamme moi maintenant. Enflamme moi maintenant. Seigneur, enflamme moi cette soirée. Seigneur, enflamme mon âme. Seigneur, enflamme mon âme. Maintenant, pendant que tu pries maintenant, la puissance et le feu te reposent dans toi. La puissance et le feu te reposent dans toi. La puissance et le feu te reposent dans toi. Et en ce moment maintenant, ton âme est enflammée. 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 Maintenant, au nom puissant de Jésus. Ton âme est enflammée. Ton âme est enflammée. Au nom puissant de Jésus. Ton âme est enflammée maintenant. Ton âme est enflammée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton âme est enflammée maintenant. Que la puissance de Dieu descend 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 maintenant. Que la puissance et le feu descend. Que la puissance de Dieu descend maintenant. Que ta puissance descend maintenant. Que ta puissance maintenant se manifeste dans la vie. Que ta puissance n'aura anormal. Que ta puissance n'aura anormal. Que ta puissance nous rend anormal. Opère la Shiba qui ne s'accorde de Maria. Seigneur, ta puissance soit sur moi maintenant. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. La Shiba Zabaloria. L'Ikra Senoria Kabaya. Dieu lève ta voix, tu peux te dire, Seigneur.
Aïe, elle est dans le combat de toi. Prie, dis, Seigneur, elles aident me mettre au combat. Seigneur, elles aident me mettre au combat. Je dis, elles aident me mettre au combat. Seigneur, elles aident me mettre au combat. Que le grand bouclier, le petit bouclier. Que le grand bouclier, le petit bouclier. Mais soit. À ma portée ce soir. Que le grand, le petit bouclier. Mais sois accordé cette soirée. Seigneur, Ezat me met au combat. Seigneur, Ezat me met au combat. Ezat me met au combat. Je dis Ezat me met au combat. Ezat me met au combat. Seigneur, Ezat me met au combat. Maintenant, maintenant. En ce moment, maintenant. Galanaya Sirakine Koli Kandela Rika Vaseroya Kayatola. En ce moment, maintenant. Le Dieu qui a soulevé Gédéon. Et a exercé les mains de Gédéon au combat. En ce moment maintenant, ce Dieu est ici de toi pour exercer tes mains au combat. Voilà pourquoi tu vas dire Seigneur, ce soir, exerce mes mains au combat. Exerce mes mains au combat. Exerce mes mains au combat. Maintenant au nom de Jésus. Exerce mes mains au combat. Maintenant au nom de Jésus. Exerce mes mains au combat. Prie maintenant. Oh, si je prie avec toi, je joins ma foi à la tienne. Et je déclare, je déclare. Et en ce moment maintenant, je connais un ange de Dieu puissant. Et il accompagne le peuple de Dieu. Dans le combat, en ce moment maintenant, ce temps ton nom s'appelle Jésus. Celui qui est le puissant dans les combats, son nom est l'éternel des armées. Et en ce moment maintenant, il est là pour t'accompagner dans ce combat de cette soirée. Le combat de cette soirée, il est là avec autorité. En ce moment maintenant, ce Dieu est là. Et il te capacite maintenant. Ce Dieu est là pour t'accompagner dans ce combat. En ce moment maintenant, il exerce ton thème au combat. Il exerce ton âme au combat. Il prépare ton esprit au combat. Il prépare ton être au combat. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Oh, il est là. Seigneur, exerce ma main au combat. Seigneur, exerce ma main au combat. Jésus, exerce ma main au combat cette soirée. Maintenant, au nom de Jésus. En ce moment maintenant, tes mains maintenant sont remplies de feu et de puissance. Tes mains sont comme des bombes. Tes mains maintenant. Aya, Dabasabaka de Crastaloria, Lumaine Kisetoria, Navaria Castaya, Doria Cagoya, Lori Castayaba. Pendant que tu vas frapper les mains, l'épée sera libérée. Pendant que tu vas frapper les mains, la bombe va s'éclater. Pendant que tu vas frapper les mains, l'ennemi ne peut pas supporter la guerre. Pendant que tu vas frapper les mains, les Philistins vont fuir devant toi. Les ennemis de ton âme et de ta vie. Va fuir devant toi. Parce que le son de tes mains, le son de tes acclamations, c'est comme l'épée. C'est comme la bombe. C'est comme l'épée. C'est comme la bombe. Maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu acclames le. Aïe.
Pendant que tu acclames les mains, pendant que tu ailles, à ce moment maintenant, l'ennemi ne peut pas te supporter. Tes adversaires ne pourront pas te supporter. Parce qu'en ce moment, l'Éternel jette le froid dans le cœur. L'Éternel jette le froid dans le cœur. L'Éternel jette le froid dans le cœur. Au nom de Jésus. L'Éternel jette le froid dans le cœur. Au nom de Jésus. L'Éternel jette le froid dans le cœur. Au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce moment maintenant, la terreur. Les saisies maintenant. La terre maintenant. Les frappes à l'improviste. La terre maintenant. Les frappes cette nuit. La terre. Arrivons sur eux maintenant soudainement. En ce moment maintenant. L'épée dans les camps. L'épée dans la camp. 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 Qui es-tu toi, grande montagne? Qui es-tu toi, ennemi? Qui es-tu toi, adversaire? Devant le nom de Jésus. Devant les enfants de Dieu. Devant les serviteurs, les servants de Dieu. En ce moment, tu seras aplani. En ce moment, tu seras anéanti. Ainsi, en ce moment maintenant, je te vois anéanti. Par l'épée maintenant, je te vois aplani. Suis mon chemin maintenant. Je te vois planer maintenant. Devant moi maintenant. Je te vois planer maintenant. Devant moi maintenant. Je te vois planer. Suis mon chemin maintenant. Ça te passe maintenant. Ça te passe dans ta soirée. Ça te passe dans ton moment. Ça te passe dans ton moment. Quel que soit le nombre. Quel que soit leur groupement, quel que soit leur association, en ce moment au nom de Jésus, la puissance de Dieu et l'épée de la guerre, le chat de guerre, maintenant s'éclate maintenant, la bombe s'éclate maintenant, au son de mes mains, parce que l'éternel les aide mes mains au combat. Au son de mes mains, l'éternel agit. Au son de mes mains, la main de l'éternel agit. Au son de mes mains, ceux qui sont avec nous, combat pour nous maintenant. Le homme qui est avec nous, combat pour nous maintenant. Car il est écrit, ceux qui sont avec nous sont un plus grand homme. Ainsi en ce moment, dans le camp de l'ennemi, le feu et l'épée maintenant. 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 En ce moment maintenant, tu consumes tout ton chemin. Tout ce qui a su ton chemin consumé cette soirée. Tout ce qui a su ton chemin prend feu maintenant. Consumé. Tout ce qui a su ton chemin prend feu. Consumé. Tout ce qui a su ton chemin prend feu. Ça se passe en ce moment. Le feu le consume. Ça se passe en ce moment. Le feu le consume. Ça se passe en ce moment. Le feu le consume. Ça se passe en ce moment. Et le tchitien gagne la main. En ce moment maintenant, la puissance de Dieu, le feu est libéré. Le feu est libéré. En ce moment maintenant, quelque chose se passe. En ce moment maintenant, tu ne peux pas imaginer. En ce moment maintenant, le monde des ténèbres ne peut pas te supporter. Parce que tu es devenu un danger.
Tu es devenu un danger. Tu es devenu un danger. Tu es devenu un danger. Tu es dans la peau maintenant du lion de la tribu de Judas. Tu es dans la peau du lion de la tribu de Judas. Aïe 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 L'adversaire de ton âme, l'adversaire de ta vie, ne peut pas te supporter. Parce que en ce moment maintenant, ton ciel s'ouvre maintenant. Et le combat prend de nouvelles tournures. Le combat prend de nouvelles tournures. En ce moment maintenant, les anges de Dieu sont ici pour combattre avec nous. Pour combattre avec toi. Pour combattre avec toi. Le combat de cette soirée, c'est un combat déjà livré. C'est un combat déjà livré. Parce que nous sommes venus préparer. Parce que nous sommes venus affermis. Parce que nous sommes prêts maintenant. En ce moment maintenant, au son de ta voix, c'est des chats de guerre. Au son de ta voix, c'est des éclairs de tonnerre. Au son de ta voix, c'est la coup de foudre maintenant. Dans le ciel et sur la terre, dans la mer, dans le désert, dans les forêts, sur les carrefours. Maintenant, au nom de Jésus, c'est le coup de tonnerre maintenant. C'est la foudre qui jaillit partout. C'est des éclairs de guerre maintenant. En ce moment maintenant, aya taya kafaya, le lori klabay ne konse kaya daria. L'ennemi ne peut pas te supporter. Ça se passe. 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 Ça te passe maintenant au nom de Jésus. Ça te passe maintenant au nom puissant de Jésus. La Bible me dit, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si l'Éternel est pour moi, qui va m'affronter? Si l'Éternel est contre moi, si l'Éternel est pour moi, qui peut résister devant mon Dieu? Maintenant au nom de Jésus, personne ne peut résister devant ton Dieu cette soirée. En ce moment, au nom de Jésus, tu lèves ta voix, tu dis Seigneur, tu dis Seigneur, réveille-toi sur ton trône. Tu dis Seigneur, le combat de ce soir, réveille-toi sur ton trône. Tu dis Seigneur, pour le combat de cette soirée, Éternel, réveille-toi sur ton trône. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, pour le combat de cette soirée de ma vie, Jésus, réveille-toi sur ton trône. Ne me laisse pas seul dans ton combat. Ne me laisse pas seul dans ton combat. Réveille-toi, Jésus. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur. Ne me laisse pas dans ton combat. Ne me laisse pas seul dans ton combat. Que tu ne sois pas seul dans ton combat. Le nom de Jésus. Quelque chose se passe maintenant. David pouvait crier. Et dit Seigneur. Et dit Éternel. Réveille-toi sur ton trône. Réveille-toi maintenant. Ne me laisse pas dans ce combat. Ne permets pas que l'ennemi crie de moi. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, réveille-toi. Ne t'éloigne pas de moi dans ce combat. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe en ce moment. La chicane va y savoir y accabasser. L'ori braga y est l'ari. Le way akata y adali. Le way akabata loka ne karani ane loko ne katara loani. L'ori akaya. L'ori kane sokaya ne la magaye. Le way l'ori akaya saya. Ça te passe dans ton moment.
maintenant. Pendant que tu pries maintenant. Le Seigneur est prêt maintenant. Et dans ton espace d'opération. Le Seigneur est là, tu ton espace d'opération. L'ennemi ne peut pas te supporter. L'ennemi ne peut pas te supporter. Du nord au sud. L'ennemi ne peut pas te supporter. L'ennemi ne peut pas te supporter. Le Seigneur est là, agit maintenant. Ton champ d'opération. Le Seigneur est là, agit ton champ d'opération. Chaque soirée. Quelque chose va se passer. Le nom de Jésus. Derrière toi, devant toi. L'ennemi ne peut pas résister. À gauche de toi ou à droite de toi. L'ennemi ne peut pas te supporter. Dans les terres, sur la terre. Ta prière ne peut pas te bloquer. Parce que ce soir, le feu, la puissance. La main de l'éternel est levée. La main de l'éternel combat pour toi et moi. Chaque soirée au nom de Jésus. On a la puissance dans le nom de Jésus. De Jésus. Il y a autorité dans le nom de Jésus. De Jésus. Quand j'appelle le nom de Jésus, tout genou, tout genou. Quand moi j'appelle le nom de Jésus, tout genou, tout genou. Quand moi j'appelle le nom de Jésus, prie maintenant. On a dit, prie maintenant. On a dit, tu déclates maintenant. Quand moi j'appelle le nom de Jésus, tu déclates maintenant. Déclare la paix. Toute appliqué m'a suivi jusqu'ici. Toute appliqué a été mandaté cette soirée. Contre moi cette soirée. Toute appliqué a été mandaté. Pour affronter dans la joie à venir. En ce moment maintenant, moi je me lève et je déclare. Je traverse la terre maintenant. Et j'affronte maintenant cet esprit. Je les affronte à cette soirée. Tout esprit ou tout un programme. Tout esprit qui a été préparé. Ou tout programme qui a été conçu. Et cela est le point de te réaliser dans ma vie. Dans la semaine qui vient, dans les jours qui arrivent, moi je me lève maintenant et j'annule tout ce programme. J'affronte l'ennemi maintenant. Je déclare que en ce moment maintenant, je traverse les temps. Et j'arrête les œuvres. 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 Maintenant au nom de Jésus. J'arrête les œuvres. Tout un bouchon maléfique qui parle déjà de ma vie. Tout un mauvais de prophétie. Qui s'engage sur ma vie. Au nom de Jésus cette soirée. Je déclare, je décrète. Que cette prophétie expire cette soirée. Que cette prophétie soit expirée maintenant. Expire cette soirée. Expire cette soirée. Maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu déclares tes paroles. Ça s'expire. Cela se supprime. Cela t'expire. Cela t'expire. Cela t'expire. Toute la planification démoniaque qui est sur le point d'arriver sur ta vie. Au nom de Jésus. En ce moment maintenant, je déclare non accompli. Je déclare non accompli. Je déclare non accompli. Je déclare non accompli. Au nom puissant de Jésus. Je déclare non accompli. Je déclare non accompli. Prie. Ça se passe. Cette soirée. Attendez comme un accord. Nous allons anéantir. Nous allons détruire. Nous allons anéantir. Nous allons révoquer. Nous allons arrêter.
De même que Josué pouvait arrêter le soleil. Au nom de Jésus, cette soirée. Toi et moi, dans la position de. Dans la peau de Josué. Nous arrêtons maintenant toute planification. Nous arrêtons maintenant toute proclamation démoniaque. Maintenant, au nom de Jésus, toute force qui a été incitée contre ta vie, incitée contre ta vie, maintenant, au nom de Jésus, ça s'arrête maintenant. 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 Parce que nous sommes mandatés pour arrêter. Ainsi, au nom de Jésus. Nous déclarons arrêter. Celui qui a arrêté le vent sur la mer, maintenant au nom de Jésus, il dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute puissance de l'ennemi, sur toute puissance de Satan. Au nom de Jésus, cette soirée, toute puissance démoniaque qui s'est levée contre toi. Au nom de Jésus, en ce moment maintenant, nous déclarons stop maintenant. Nous déclarons stop maintenant. Nous déclarons stop maintenant. Au nom de Jésus. Pendant que tu déclares tes paroles. Pendant que tu pries maintenant. Ça s'arrête dans un coup. Ça s'arrête dans un coup. La Bible me dit. Lorsque Jésus a arrêté le vent et la tempête. Il eut un calme maintenant. Un calme maintenant se manifeste. Un calme se manifeste dans ta vie. Dans ton foyer ce soir. Dans ton entreprise maintenant. Sur la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, ça se passe. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Nous arrêtons au nom de Jésus. Nous arrêtons maintenant. Ça se passe au nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? On acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Au Père de Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons commenter les bonnes choses ce soir. Qui est prêt pour prier? On vient de faire mise à jour. Et nous allons commencer. Alléluia. Pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur Jésus, je vais inviter l'évangéliste Jean. Et il va nous conduire pendant ce moment. Acclame Jésus. Acclame Jésus. À Golgotha, mon sauveur est mort. Golgotha, mon sauveur est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. Golgotha, mon sauveur est mort. Sous-titrage Société Radio-Canada.
avec moi. La vie. Mon père, amen. Acclame Jésus. Amis, pour Père nous Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le Seigneur m'explique qu'on commence par ce cantique? Parce que quelque chose s'est passé à Golgotha. Le plus faible a vaincu le plus fort. Tu n'as pas compris. À Monkunjawa. À Golgotha. Le Golgotha. Le plus faible. A oppressé le plus fort. Ce que nous connaissons de l'oppression, c'est que le plus fort oppresse le plus faible. Mais quelque chose s'est passé à ce lieu-là. J'ai vu le plus faible, celui qui était en condition petite, vaincre son oppresseur. Alléluia. Alléluia. Et voici quelque chose que le Seigneur me dit. Dans le domaine de l'oppression, l'oppressé est plus fort que l'oppresseur. Celui qui est oppressé, il est oppressé parce qu'il est plus fort que l'oppresseur. Parce que le rôle de l'oppresseur, c'est d'influencer l'oppressé au point de lui faire croire qu'il est plus fort que lui. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Renverser mon oppresseur. Renverser mon oppresseur. Je disais tantôt que à Golgotha, dans le combat qui a eu lieu, nous avons vu le plus faible, Jésus, avoir la victoire sur le plus fort.
Satan et toute son armée. Et le Seigneur me permet de vous dire ce soir que dans le domaine de l'oppression, lorsque nous parlons d'oppression, en vérité, le plus fort n'est pas celui qui oppresse l'autre. Mais le plus fort, en vérité, c'est celui qui est oppressé. Tu n'es pas oppressé pour rien. Tu es oppressé parce que ton oppresseur a vu en toi quelque chose qui n'a pas envie de laisser se développer. Car il est conscient que dans son silence, lorsque ce que tu es se révélera, ou plutôt lorsque tu prendras réellement conscience de ce que et de qui tu es, lui, il n'aura plus aucun pouvoir sur toi. C'est pourquoi il profite de ton temps d'ignorance en t'oppressant pour te faire croire qu'il est le plus fort. Dis à ton prochain, ton oppresseur est plus faible que toi. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai dit de dire à ton prochain que ton oppresseur est plus faible que toi. C'est l'une des mentalités qui ont poussé Jésus-Christ à dire: Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon père, si c'était les chrétiens de notre temps, ce qu'ils feront, c'est pleurer. Ah, on m'oppresse. Je suis oppressé. Comment je vais faire? Non. Lorsque tu es conscient que celui qui t'oppresse n'a pas ta taille, c'est-à-dire est plus petit que toi, dans les plus grands moments d'oppression, tu cries à ton père. Alléluia. Alléluia. Nous allons rapidement aller voir Josué et les 12 autres et les 11 autres espions qui ont été envoyés en Israël, à Jéricho. Dieu a dit à son peuple, ce pays-là, moi je vous le donne. Vous irez, vous allez battre tous ceux qui sont là. Et ce pays vous appartiendra désormais. Mais Moïse a envoyé 12 espions. Et ils ont vu. Je vais éclaircir quelque chose. Dans l'apparence, ton oppresseur ne semble pas être plus petit que toi. Les hommes palpables, c'est David et Goliath. Si toi-même en ce temps tu allais juger, tu vas dire à David de ne pas perdre son temps. Mais spirituellement, Goliath n'arrivait même pas à la cheville de David. Alléluia. Alléluia. Et quand les espions sont allés, ils ont commencé par voir la hauteur des murailles de ce pays. Ils ont vu les géants dans le pays. Mais à côté de ça, ils ont aussi vu tout ce que Dieu leur a promis. Mais à leur retour, 10 d'entre eux ont dit aux autres: ne perdez pas votre temps. Ce pays dans lequel vous allez, il n'y a que des géants. Nous n'arrivons même pas à leur taille. Mais parmi eux, il y a deux hommes, Josué et Caleb. Ils ont dit: c'est vrai, il y a des géants. Le pays est armé et équipé. Mais Dieu nous donnera la victoire. Nous sommes victorieux. Nous n'allons pas pour être victorieux, mais nous allons en tant que victorieux. Et arrivé là-bas, notre victoire va se manifester. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ne seront jamais délivrées de leurs oppresseurs tant qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont plus forts que leurs oppresseurs. Quand le Seigneur m'a dit cette parole, entre-temps,
Ça a été une très grande victoire pour moi. De savoir que je suis plus fort que mon oppresseur. Les sorciers de ta famille. Les esprits qui s'attaquent à toi. Je viens te dire ce soir que dans la vérité, tu es plus fort qu'eux. Alléluia. Alléluia. Lorsque je prends le dictionnaire et que je cherche à comprendre ce qu'est l'oppression, j'ai vu que c'est une sorte de pression élevée que le plus fort exerce sur le plus faible. Alléluia. Alléluia. C'est ça, le plus fort oppresse le plus faible. Mais actuellement, là où tu es, actuellement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, entre toi et les esprits qui t'oppressaient, qui est le plus fort? Ah, des gens ne répondent pas parce qu'ils ne savent pas. Alléluia. En tant que chrétien, entre toi et les esprits qui t'oppressent, c'est qui le plus fort? Donc, en vérité, l'oppresseur, c'est qui alors? C'est moi. Alléluia. Alléluia. Si c'est le plus fort qui oppresse le plus faible, et que en Jésus, je suis plus fort que les autres, pourquoi est-ce que je me laisse encore oppresser? Ça, c'est un héritier qui demeure enfant. Ce soir-là, tu viens combattre en tant qu'oppresseur. Donc tu ne réponds pas bien. Je dis, ce soir, tu viens combattre, non en tant qu'oppressé, mais en tant qu'oppresseur. Lorsque tu entres dans la position d'oppresseur, ceux qui étaient tes oppresseurs, ils vont commencer par prendre la fuite. C'est pourquoi quand le docteur Daniel disait tout à l'heure, pendant que tu acclames, tes oppresseurs fuient. J'étais beaucoup plus en joie. Parce qu'au moment où Jésus était à la croix et qu'il était dans l'oppression, ce qui lui a donné la force d'évoluer aussi, c'était les acclamations des anges. Il dit non, Jésus, vas-y, persévère. Ils étaient en train de lui rappeler, tu es plus fort. Mais c'est toi le plus fort. Cette voix qui doit te rappeler que c'est toi le plus fort aujourd'hui. Où est passée cette voix en toi? Quand tu sens l'oppression, tu te mets dans la peau du plus petit. Alléluia. C'est l'histoire d'un lion et d'un chien. Le lion est tranquille dans son coin. Le chien fait des bons pour le bipé. Alléluia. Là, dans cette histoire-là, c'est qui l'oppresseur? Qui oppresse qui? Entre le lion et le chien. C'est le chien. Le lion est tranquille. Mais le chien vient l'oppresser. Mais tellement il le regarde, il dit, je suis conscient que je suis plus fort que lui. Je ne sais pas pourquoi il se gêne à me chercher. Quand je vais me lever, je n'aurai même pas besoin de courir derrière lui. Il va devenir un moins que rien dans ma gueule. Alléluia. Alléluia. En réalité, spirituellement, c'est ce que tu es en face de tes oppresseurs. Chaque jour, tu proclames, je suis le fils du lion de la tribu de Juda. Mais à chaque fois, c'est toi qu'on oppresse. Alléluia. Alléluia. Même l'enfant du lion ne se gêne même pas de ses oppresseurs. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous venez combattre, il faut que nous combattons dans une mentalité donnée. Quand tu viens combattre en tant que petit, le combat ne sera pas efficace. Pendant que nous étions là, le Seigneur me disait qu'il y a quelqu'un parmi vous. Dans cette semaine, il s'est assis finalement, il s'est demandé jusqu'à quand.
Jusqu'à quand? Le Seigneur dit jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce que tu ne prennes conscience que ce qui t'oppresse est plus petit que toi. Alléluia. Alléluia. Cette maladie qui t'oppresse. Regarde, ce supérieur hiérarchique qui t'oppresse dans ton service. Attends, si Satan se dit qu'il est plus fort que nous. Pourquoi il nous oppresse? Moi, je me pose des questions. Ton supérieur hiérarchique qui t'oppresse dans ton entreprise. C'est pour quelle raison? Parce qu'il a vu que tu as quelque chose. Tu as un potentiel. Et que lorsqu'il va te laisser le temps de montrer ce potentiel, il va même le dépasser. Lui ne se contente plus de grandir. Mais il se contente à ce que toi tu ne grandisses pas. Alléluia. Alléluia. Toi qui es oppressé quelque part dans ton service, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'à partir de ce soir, quand ton oppresseur te verra venir, il va décaler. Alléluia. Alléluia. Toi qui es oppressé dans ta famille, dans ton quartier, oui. Ceux qui ont la mine renfrognée, ils ont un visage d'oppressé. Ils ne pourront jamais avoir la force de dominer leur oppresseur. Parce que ton oppresseur, ce qu'il veut, c'est que tu sois toujours méprisé. Alléluia. Alléluia. Que tu ne montres jamais une bonne humeur. Psaume 114, verset 10. Alléluia. Alléluia. Psaume 114, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Jusqu'à quand, ô Éternel, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Alléluia. Amen. En réalité, l'oppression, c'est aussi une forme de mépris. Le but de ton oppresseur, c'est de tout faire pour que tu ne relèves jamais ton visage. C'est de tout faire pour que tu ne prennes jamais conscience. C'est de tout faire pour que tu n'avances pas, mais que lui reste toujours à tes yeux comme le plus fort. Et ce qu'il fait, c'est qu'au-delà, il fait en sorte que tu ne vois pas en réalité sa faiblesse. Mais quand tu connais qui tu es, tu sais comment le combat va se passer. David devant Goliath, je vous assure, il n'avait aucun fragment de peur. Il n'avait aucun fragment de peur. Parce que quand il voit Goliath debout, derrière Goliath, il voit les balles. Les balles. Mais quand il se voit petit, derrière lui, il voit un géant Jésus. L'une des raisons pour lesquelles Élisée était assis tranquillement dans sa maison, il y a devant lui une grande armée de Syriens. Le caractère de plusieurs chrétiens oppressés aujourd'hui, c'est le caractère de Géasi. Maître, qu'allons-nous faire? Nous sommes dans cette petite case. Regarde comment ils sont. Nous allons fuir par où? Qui t'a dit que tu dois fuir? Jésus a fui de la croix. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il a fui? S'il avait fui, toi et moi, on ne serait même pas là. Nous, mais le caractère par lequel tu veux combattre ce soir,
C'est le caractère d'Élisée. Je suis à l'aise. Parce que quand je regarde derrière moi, je vois une grande armée de chars de feu. Alléluia. Alléluia. Et il ne suffit pour moi que d'une seule parole. Seigneur, frappe les d'aveuglement. Et il va prendre leurs mains. Il va les reconduire dans leur pays. Alléluia. Alléluia. Ce combat, c'est le combat qui me donne plus d'humour dans la Bible. Il dit, mais comment ça s'est passé? Alléluia. Alléluia. Il leur donne à manger. Arrivé dans leur pays, Seigneur délivre de l'aveuglement. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Absolument rien. Donc, la victoire dans le combat dépend aussi de la mentalité. Alléluia. Alléluia. Job l'a bien dit, ce que j'ai créé, c'est ce qui m'arrive. Si tu veux dormir, et que tu crées que, ah, si je dors maintenant, mari de nuit, femme de nuit va frapper. À 90%, ça va venir. Alléluia. Parce que selon ta mentalité, tu es plus faible que le mari de nuit. Et tu lui as ouvert la porte de tes pensées pour qu'il vienne. Alléluia. Alléluia. Mais ce soir, change de mentalité. Combat en tant que vainqueur. L'une des choses qui donnait le courage à Israël de vaincre, c'est qu'ils ont un grand Dieu et qui les rassure de la victoire. Dans la plupart des combats des Israélites que j'ai vus dans la Bible, à un moment donné, si ce n'est pas les grêles qui tombent, c'est l'ange de l'Éternel qui descend. Vous pensez que c'était seulement les Israélites qui combattaient. Regardez tout. Si on donne même les chiffres dans la Bible, j'ai peur. Une armée de 100 000 personnes. Combien de temps durent même les combats de la Bible? Combien de temps on va prendre pour tuer 100 000 personnes? Toi-même qui tues là, tu ne seras pas fatigué? Alléluia. Alléluia. À cause de leur force. Parce qu'ils ne se sont jamais vus plus petits que leurs oppresseurs. Ils ne regardaient même pas leur nombre. Ils allaient au nom de l'Éternel des armées et ils reviennent avec la victoire. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de victoire au-delà de l'œuvre de la croix. Pourquoi? Quand tu étais dans le monde, tu étais plus faible que ton oppresseur. Mais le passage par la croix qu'a changé de position. Comprends cet impact de l'œuvre de la croix dans ta vie. Quand tu as accepté Jésus, tu as changé de monde. Et tu as changé aussi de position. Tu as quitté de la position d'oppressé pour la position d'oppresseur. Ce soir-là, c'est la prière des oppresseurs. Où es-tu, toi qui me presse? Où es-tu, toi qui m'oppresse? Ils sont en train de fuir. Non, vous savez ce qu'on va faire? Alléluia, vous savez ce qu'on va faire? On va pas les laisser s'enfuir. On va les maintenir. On va demander à l'ange de l'Éternel de les encercler. Hein? De nous mettre sur un ring avec eux. Alléluia. Alléluia. Puisque je suis conscient. Donc, nous allons venir avec la puissance de l'œuvre de la croix. Et nous allons faire le travail. Et quand ils partiront cette fois-ci, ah,
La prochaine fois qu'ils te verront venir, eux-mêmes vont dire, mais celui-là. C'est ce qui s'est passé dans la fosse au lion. Le match était gagné d'avance. Daniel devait être déchiré n'importe comment. C'est pas la fosse du lion, la fosse au lion. C'est au pluriel. Quand vous lisez la Bible, faisons un peu attention à ce qui est écrit. Fosse au lion. Lait. Voilà, j'aime le lait. Alléluia. Ce n'était pas un lion. Ce n'était pas un lion. C'était des lions. Voilà. Et on le jette dedans. Essayez demain. Ah, c'est vrai, la peur était là. Mais à un moment donné, il s'est dit non. J'ai un grand Dieu. Quand les lions voient le lion de la tribu de Juda, quand le feu, la fournaise ardente, sent qu'il y a trois feux dévorants qui s'approchent, alléluia. Alléluia. C'est comme le feu d'une bûchette d'allumette contre le feu de brousse. Ce n'est pas comparable. Les gars n'avaient pas peur. Shadrach, Meshach, Abednego. C'était très courageux. On a multiplié la fournaise fois 7. Il dit, si pour vous, elle fois 7 là. Pour moi, elle multiplié 70 fois. Nous allons voir. Alléluia. Alléluia. Ils sont entrés dans le feu. Le feu s'est éteint d'abord. Il dit, mes respects. Laissons le feu dévorant brûler un instant. Et quand ils ont quitté, l'autre feu a pris sa place. Alléluia. Alléluia. Donc, il ne suffit pas pour nous de citer les attributs de Dieu. Mais nous devons être conscients que c'est ce que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Qui est ton oppresseur? Qui est-il? Qui est ton oppresseur? Ce soir, tu vas lui faire face. Alléluia. Alléluia. Tu vas lui faire face. Et tu vas dire, Banando, mon père, mon père. Toche, toche. Mon Jésus, mon Jésus. Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Jésus, Jésus, il ne pourra pas tenir. Est-ce alléluia. Alléluia. Il ne pourra pas tenir. Est-ce quelle est l'oppression que tu traverses? Ya ça nous met bon regardé. Quel est cet esprit qui ne veut pas te laisser tranquille? Oh, il est tellement sirou. Il profite seulement de ton manque de connaissance. Il profite seulement de ton ignorance. Lorsque nous allons dans le livre de Ésaïe 3, je crois, il dit, mon peuple a pour oppresseur des enfants. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Ésaïe 3, verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Voilà ce que représentent tes oppresseurs, des oui. enfants. Toutes les manigances de ton oppresseur ne sont rien d'autre que des intimidations stériles. Il sait qu'il n'est pas plus fort que toi. En fait, lui, il sait. Mais toi, tu ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois avoir des oppresseurs. Ésaïe 3, verset 12, c'est le verset que j'avais donné. Tu dois avoir des oppresseurs pour mener le combat de ta destinée. Parce qu'il n'y a pas de destinée glorieuse sans oppression. Alléluia. Alléluia. Je vais présenter un petit cas. Il y a certaines personnes
Lorsqu'ils étaient dans le monde, ils n'étaient pas oppressés. C'est vrai, leur âme était dans la prison de Satan. Quand vous allez dans la prison de Satan, il y a des gens qui sont permanemment en prison. Mais il y a des gens qui sont à des travaux forcés. Alléluia. Alléluia. Celui qui est en prison, il est encore plus en paix que celui qui est dans les travaux forcés. Vous allez voir que dans le monde, il y a certaines personnes qui sont oppressées et d'autres qui ne sont pas oppressées. Mais pourtant, les deux n'ont pas Jésus. C'est un sujet de tienne, une question de destinée. Ça dépend de ce que Satan voit de ton avenir. Alléluia. Alléluia. Les Israélites étaient en esclavage en Égypte. Ils étaient là-bas juste comme de simples hommes. Mais à un moment donné, le nouveau roi d'Égypte, il a commencé par avoir peur. Il dit attention. Si on laisse ces gens-là, lorsqu'une guerre viendra viendra contre nous, il risque de s'associer à nos adversaires pour nous combattre. En réalité, il s'est rendu compte que Israël est dans son pays, mais est plus fort que lui. Mais pourtant, il ne savait qu'il fait. Ils ne savent pas faire la guerre. Tout ce que eux savent faire, c'est les travaux champêtres, les travaux de maison. Mais le roi là, le grand roi d'Égypte, il a commencé par avoir peur. Dis à ton prochain, ton oppresseur a peur de toi. Il a trop peur de toi. Maintenant, parce qu'il a eu peur, il a dit, mettons, chargeons l'aide de travaux. Chargeons l'aide de travaux. Et c'est là qu'ils ont commencé par être plus oppressés. Alléluia. Parce qu'il a vu que ce peuple-là, c'est pas la peine. Il vaut mieux les garder. Alléluia. Ton oppresseur là, il a trop peur de toi. Que quelqu'un, avant de commencer par prier ce soir, commence par élever sa foi. Quel est le degré de ta foi? Devant qui est-ce que ta foi tient? Alléluia. Alléluia. Devant qui est-ce que ta foi tient? Amen. Alléluia. Tu as un grand Jésus. Ado, o Jésus d'Arode. Ton Jésus n'est pas petit. Jésus te voya. Même si on me dit que mon Jésus est petit, nous éternuons le Jésus te voya. Je vais ajouter à la personne. Non, c'est quoi nous mais que c'est ce petit Jésus là qui a vaincu Satan à la croix. Jésus prévient et ouais le Satan dit la cruz dit. Alléluia. Alléluia. Toute la terre était dans les ténèbres. Bida blume. Et il a mené le combat. Il a mené le combat dans le noir. Et il a vaincu le chef des ténèbres. Avant maintenant que les ténèbres disparaissent de la terre. Alléluia. Alléluia. Pour lui montrer même que, quels que soient tes amusements, quelles que soient tes manigances, je reste tranquille là. Car j'ai avec moi celui qui dit à la mer et au vent, silence, tais-toi. Et cela s'accomplit à l'instant. Ce soir, aie la foi que ce que tu vas déclarer va s'accomplir ici et maintenant. Alléluia. Alléluia. Ici et maintenant. Est-ce que quelqu'un est prêt? Le combat des oppresseurs. Ce soir, c'est ce soir. Qui es-tu, grande montagne devant moi? Tu seras aplani. Vous savez ce que signifie aplani? Aplani. Si c'est une montagne et que c'est seulement renversé, ça va toujours rester montagne devant toi et tu ne pourras pas traverser. Aplani là,
se rendre à la taille de la terre. Rendre à la taille de la terre. Au point tu peux marcher simplement et facilement et aller là où tu vas. Je déclare sur ta vie que cette montagne qui se tient devant toi sera aplanie. Et elle est déjà aplanie. Alléluia. Alléluia. Qui es-tu, maladie qui m'oppresse? Mais, à un moment donné, posez-leur des questions. Quoi? Qui es-tu, maladie qui m'oppresse? Mais, ouais, qui es-tu, maladie qui m'oppresse? Mais, ouais, qui es-tu, sorcier qui m'oppresse? Mais, ouais, qui es-tu qui m'oppresse? Tu es aplani. Tu es aplani. Tu es aplani. Tu es aplani. Alors tu vas te lever. Et nous allons prier. Ceux qui sont combattus par les esprits de Marie de nuit. C'est parce que Dieu vous a donné un pouvoir pour combattre les esprits de mari et de femme de nuit. Ceux qui sont combattus par les esprits de sorcellerie. Vous êtes combattus parce que Dieu vous a donné une capacité de dominer sur les esprits de sorcellerie. Ceux qui sont combattus par l'échec. C'est parce que Dieu vous a donné un pouvoir de parler contre l'échec. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui te combat? Prends conscience que ce qui me combat là, j'ai une capacité pour le vaincre. Non seulement pour le vaincre dans ma vie, mais pour le vaincre dans la vie de tous ceux qu'il combat. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il ne veut pas te libérer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il ne veut pas que David, là, il saute des champs pour venir au combat. Parce qu'il sait que David ne vient pas s'occuper seulement de Goliath. Mais David viendra d'abord s'occuper de Goliath. David et de tous ceux qui oseront se présenter devant Israël comme ennemi. Donc en réalité, ce n'est pas toi la victime. Hein. La victime, ce sont les autres, les milliers d'autres personnes. Qui pourront parvenir à une victoire par toi. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te dis merci pour la victoire de la croix. Seigneur Jésus. Je te dis merci pour la victoire de Golgotha. Pour la victoire que tu m'as donnée à Golgotha. Je m'approprie cette victoire. Je m'approprie cette victoire. Je m'approprie cette victoire. Ce soir, je viens avec cette victoire. Ce soir, je viens avec cette victoire. Je viens avec cette victoire. Commence par déclarer ainsi au nom de Jésus. Ce soir, je viens avec la victoire de Golgotha. Je viens avec la victoire de Golgotha. Je viens avec la victoire de Golgotha. À Golgotha, mon sauveur est mort. C'est là que j'ai trouvé la victoire. La victoire que je cherchais, la victoire que je n'avais pas, je l'ai trouvée en Jésus. À Golgotha, à Golgotha, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, ce soir, je viens avec ta victoire, 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 je marche dans cette victoire, je combats dans la victoire. Mon Père, mon Père, ce soir, je combats dans cette victoire. Ce soir, je combats dans cette victoire. Ce soir, je combats dans cette victoire. Ce soir,
victoire. Je combats dans cette victoire. Je combats pour moi. Je combats pour mes frères. Je combats pour ma famille. Dans la victoire de Golgotha. 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 Seigneur, Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je renonce à toute pensée de doute et d'échec de la victoire. Je renonce à toute pensée de doute sur la victoire de Golgotha. Ce soir, je viens avec la foi que je suis victorieux. Je déclare mon oppresseur, tu es plus petit que moi. Je suis plus grand que mon oppresseur. Je suis plus fort que mon oppresseur. Seigneur Jésus, ce soir, je prends conscience que je suis plus puissant que mon oppresseur par la puissance de Jésus. Déclare. Je suis plus fort. Je suis plus puissant que tout ce qui m'oppresse. Je suis plus puissant que tout ce qui m'oppresse. Je suis plus puissant. Je suis plus puissant. Je suis plus puissant. Hier, j'étais oppressé. Hier, j'étais inconscient. Mais ce soir, je suis conscient. Déclare-le. C'est des cris de combat que tu annonces. Pendant que tu le déclares, tu es en train de déclarer guerre. Pendant que tu le déclares, tu es en train de déclarer la guerre. Pendant que tu le déclares, tu es en train de déclarer la guerre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, lorsqu'un homme est en train de confesser Christ pour la première fois, quelque chose se passe spirituellement. Les démons qui le maintenaient commence pas à lâcher peu à peu. Et ils sont en train d'avoir mal pour le fait qu'ils confessent. Ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'ils confessent? Empêchons-le de confesser. Parce que plus ils confessent Jésus, plus eux, ils sont en train de perdre le contrôle sur sa vie. Alléluia. C'est pourquoi c'est malheureux de vouloir se retrouver sur le lit d'hôpital avant de vouloir confesser. Parce que l'une des choses que Satan fait, quand les gens se trouvent sur le lit d'hôpital, ils veulent leur bloquer la parole. Mais ce que tu confesses, pendant que tu confesses, je peux voir ce qui se passe. L'ennemi dit, mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Baisse la voix. Prie à l'intérieur de toi-même. Dis, ce soir je parle. Je parle et je confesse. Je parle et je confesse. Je déclare. Je suis plus puissant que mon oppresseur. Ce soir, je suis puissant que mon oppresseur. Par la puissance de Jésus. Ce soir, je suis puissant. J'entre en position du puissant. Ce soir, je me relève. Et je me fais face à mes oppresseurs. Je me tiens ferme. Face à mes oppresseurs. Déclare. Je suis plus puissant. Je me relève. Je reviens au combat.
Je reviens au combat. Et la soula la kumi la basolia la lou saliva la basopa. Je reviens au combat. 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 Je suis puissant. Je reviens au combat. Écoute ma voix. Je suis puissant. Je suis puissant. Par Jésus. Ciel. Ciel. Écoute ma voix. Je suis puissant. Par Jésus. Va. Écoute ma voix. Je suis puissant. Par Jésus. Je suis puissant. Je suis puissant. Par Jésus. Mais. Écoute ma voix. Écoute ma parole. Je suis puissant. Je suis puissant. Par Jésus. Par Jésus. Je suis puissant. Je suis puissant. Par Jésus. Par Jésus. Et ce soir. Je vous engage. Je vous engage. Dans mon combat. Dans mon combat. Je vous engage. Je vous engage. Dans mon combat. Dans mon combat. Est-ce que quelqu'un peut prier? Ma carrière, ma couleur, ma soleil, chaka. Les coups de l'épreuve, les rabats, la soquerie, la couraba, les coups de la soquerie, la couria, la zalia, couria, kaya, les couria, ma soquerie, kaya. Mazu Karia Koriaka, Makuri Koria Zabaya, La Zereva Deria Soya Kabia, Iba la Kuria Kariaka, Epelia Raba, Sepalia Koriaka, Lukae Brasema Kaya Rebe Shaka, tu le déclares, tu le déclares. Je vous engage dans ce combat. J'engage le ciel, j'engage la terre, j'engage la croix. J'engage la croix. Toi qui me suis à ce moment, commence par le déclarer. Ce soir, j'engage la croix de Jésus. Dans ce combat, j'engage la croix de Jésus. Dans ce combat, j'engage la croix de la croix. Dans ce combat, dans ce combat, dans ce combat. Waouh! Renversement de position. Renversement de position. Renversement de position. Je prends conscience de ma position dans ce combat. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je marche la victoire. Je combat de la victoire. Je viens en tant que victorieux. Je viens de la victoire. 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 Ma sopa, la sola escaria de preseria de ria, endele queria ma socaria, ma sude de preseri, calucaria, calucaria, calia, locaria casa, la casa la barero chacarabare, la bala zude de preseria, la bababababa, lo bala queremo chanda la basoriata, la curia calia malia de, la curia calia curia capode, la curia calia casoare, la suliva, la suliva de, la reloria la casta luca si paria ca, la maruca la calia catea che calia ca, la calia colia capode paria ca, vo paria la la maia la de, le li che ne cosce marabaya qui, è mo coia la caia. Wow, wow,
monte encore. Ce sont des menaces que tu prononces. Lorsque ton oppression t'entend, il a peur. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là? Lorsque ton oppression t'entend, en ce moment, il commence par avoir peur. Il dit, mais qui lui a appris ça? La victoire de Jésus. Je viens avec la croix. Je viens avec la croix. Tu vas dire avec moi. Seigneur. Je déplace. Tous mes combats. À Golgotha. Seigneur. Je déplace. Tous mes combats. Avec mes oppresseurs. À Golgotha. Maintenant. Vous, mes oppresseurs, venez à Golgotha. Alléluia. Quand tu dis que je déplace mes combats à Golgotha, tu es en train d'appeler Golgotha vers là où il y a ton combat. Alléluia. Parce que Golgotha est spirituel. Golgotha bouge dans le temps. Golgotha bouge dans le spirituel. Seigneur. J'appelle Golgotha dans mon combat. J'amène Golgotha dans mon combat. Prie ainsi au nom de Jésus. J'engage Golgotha dans ce combat. La curia calia basoka liada. La curia soka zila basoka. La guza liaba. Guzo lobo sori adelobo shamaliaka. J'engage Golgotha dans ce combat. J'engage Golgotha dans ce combat. Je me revêt de la puissance. Je me revêt de la puissance de Jésus qu'il a déployé dans le combat de Golgotha. Je déploie la puissance que Jésus a déployée dans le combat de Golgotha. Je me réveille de cette puissance. Dans ce combat. Ce n'est que le début. Mare la bala, soda la bala. Golgotha est engagé dans ce combat. Koria, manere brosha. J'engage Golgotha dans ce combat. La coupe les bras, ça y a pas. Eli qui a dans la somaria de l'ébrésia. Oh! Wow! Bien-aimé, monte encore. Ce n'est pas le moment de baisser. Nous venons juste de commencer. Ce n'est que le début. C'est le rassemblement de puissance. Dis, Seigneur, je rassemble toute la puissance que tu as déployée à la croix. Je rassemble les armes que tu as utilisées à Golgotha. Ce soir, je les rassemble.
Seigneur, toutes les puissances que tu as déployées à Golgotha, je les engage dans ce combat. Toutes les puissances, l'Éternel, que tu as engagées, que tu as déployées à Golgotha, sont engagées dans ce combat. Ce soir, ils ne tiendront pas. Tes oppresseurs ne tiendront pas ce soir. Seigneur, toutes les puissances. Ah. Tes oppresseurs ne tiendront pas ce soir. Mandelea brasolia. La solia veralia nelia brasolica. La italia malucariada. Tes oppresseurs ne tiendront pas ce soir. Tes oppresseurs ne tiendront pas ce soir. Tu ne tiendras 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 pas ce soir. Car ce soir, je viens différemment. 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 Pendant que tu parles. 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 Tu dis avec moi. Seigneur, Seigneur, l'autorité de Golgotha, je la reçois. Je reçois dans ma voix. Alléluia. À Golgotha, Jésus va pousser un cri. Il va pousser un grand cri. Et un dernier cri. Et la Bible me dit que le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et quand je vous parle du voile du temple, ce n'est pas ce genre de voile. C'est un voile épais. Qui a une épaisseur d'au moins 12 cm. Donc c'est gros, c'est large, c'est long. Mais au cri de Jésus, à la résonance de la voix de Jésus, ce voile est tombé. C'est pourquoi pendant que tu es en train de prier, tu es en train de réclamer dans ta voix l'autorité de la voix de Jésus. Il dit la voix de l'Éternel, elle est puissante. Ce soir, ce soir, Seigneur Jésus, j'appelle dans ma voix l'autorité de la voix de Jésus. L'autorité de la voix de Jésus. L'autorité qui brise les rochers. L'autorité qui fait trembler la terre. Je l'appelle dans ma voix ce soir. Je l'appelle dans ma voix ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier? Oh! Ah! Ah! L'autorité, l'autorité. La tête maintenant. Ma cousa liandere brasso. La cobra de liaba. La tienne ne peut pas t'y porter. Pendant que tu pries maintenant. La main ne peut pas t'y porter. Pendant que tu pries maintenant. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel. Impuissante en ce moment au son de ta voix. La qui se casse. J'entends des voix, j'entends des voix. Wayaliaka. La maliaka yana soba. La kolia solia baliane. La cobra d'Aliana Baba Sorica. La cobra la Zoliba Lia Catholica. La cobra Lia Tosca Baliade. La Soma la Pradeva. La Malia Zevaïa la Basopa. La Caria 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 Caria. Eloa de la Bracede. Les Elivalia Moïcaria. La Cosa Lea. Cosirava. Cosa Pradeva la Cosa Ba. J'entends des rugissements. J'entends des rugissements. J'entends des rugissements. Ah. La Corine Bacchelo, la Malisoliaba,
La malise auprès, la cime malise auprès de Maria. L'Ika maline sa part, la coupe à l'Iakaba, la balance au palais caraba, les baliako liamalia, ou liamalia sopa, ou liamalou sopra de riba. Des bruits de tonnerre, 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 des bruits de tonnerre. Quelque chose se passe, quelque chose se passe. L'atmosphère est saturée. L'atmosphère est saturée. L'atmosphère est saturée. Walia Zoba. Wamale Heliakaria Basodeva. Legeria Balaba Subalia Kaliko Abba. Akuma Leveshe Keriaba. La Sheka. Le Kataya. La Maria Katayaka. Le Belisomaria de Rebo Shapa. Le Brasumba. Mesdames, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore. Monte encore. C'est le préparatif. Le combat est sur le point de commencer. 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 Aiguise encore la voix. Aiguise encore ton esprit. Malé Galia Baba Sondere Brea. Le Kondere Brasoli Marika Balusata. L'Ashkenere Brasia. La Keria Naria Basore Brea. Le Baria Karia Karia Toriaka. Le Kendere Bresume. L'Ikiria Baba Sobe. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je n'entends plus de voix. Hein. J'entends des bruits de tonnerre. Amen. J'entends des rugissements. Amen. Alléluia. Alléluia. Élie a dit si non ma parole. Tu vas dire avec moi ce soir. Mon oppression ne tiendra pas. Si non à ma voix. Sinon à ma parole, mon oppresseur ne tiendra pas. Sinon à ma parole, ça ne veut pas dire que quand tu vas arrêter de parler, il va tenir. Cela voudra dire que ce que je dis, si je dis, mon oppresseur reste. Il va rester. C'est ce que ça signifie, sinon à ma parole. Mais si je le regarde, je dis mon oppresseur, ce soir c'est ta fin. Au nom de Jésus, je te renverse. C'est que de maintenant jusqu'à toujours, il est renversé. Alléluia. Alléluia. Tu sais ce qui t'oppresse. Tu sais ce qui t'oppresse. Peut-être que c'est une maladie. Peut-être que c'est dans ton entreprise. Peut-être que c'est dans le marché. Là où tu vends. Et tu sens de l'oppression. Peut-être que c'est dans la cour de ta maison. Peut-être que c'est dans ton quartier. Peut-être que c'est dans la famille. Peut-être que
Peut-être que, peut-être que, peut-être que, c'est peut-être même dans ton école. Mon oppresseur, mon oppresseur. Je viens comme toi ce soir. Je viens comme toi ce soir. Avec la puissance de Jésus. Avec la puissance de Jésus. Et je te renverse. 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 Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Au nom de Jésus, je te renverse. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Je viens contre toi. Qui es-tu, maladie? Je te renverse. Qui m'oppresse? Qui es-tu, maladie? Qui m'oppresse? Les Kamalasota. Je te renverse. Ce soir, je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Au nom de Jésus. Je te renverse. Au nom de Jésus. Je te chasse. Au nom de Jésus. Je te chasse. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je te renverse maintenant. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je te renverse maintenant. Sinon à ta voix. Je te renverse maintenant. C'est ce que tu dis. Je te renverse maintenant. Qui s'applique ce soir? Je te renverse maintenant. C'est ce que tu dis. Qui s'opère ce soir? La cabra se bat. La coupe de la soupe de l'épréa. Dans mon entreprise, je te renverse. Dans ma famille, je te renverse. Toi qui me suis en ce moment, je m'associe à toi dans ce combat. Je m'associe à toi dans ce combat. Et je déclare que le pression de ta vie tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Je m'associe à toi dans ce combat. Et je déclare à cette maladie qui te presse, qui te presse depuis 5 ans. Depuis 5 ans, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Maintenant, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Lève-toi, et cherche encore cette maladie. Tu ne la trouveras plus. Cherche encore cette maladie. Toi qui souffres de tension, la tension chronique qui te presse depuis des années, depuis des années, ce soir. J'appelle mon père, 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 au nom de Jésus, cette tension te quitte, maintenant même. La Coria Kayana, la Balakate de Brecheria Kade, Elis Kapan, Elia Prado Sapa. Les codobos sont les prédits catalans. Les balas sont pariaka. Les cariacos sont pariaka. Elia, 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 Elia. Quelque chose se passe. 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 En ce moment. Au nom de Jésus, nous avons. Amen. Au nom de Jésus. Il y a des oppresseurs dans la salle. Il y a ça, mais tu l'as dit. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui prient ici. David était fatigué de ses oppresseurs. David, il s'est retrouvé quelque part. Il était au milieu. Et il a vu autour de lui des oppresseurs. S'il tourne à gauche, il ne peut pas passer. Il regarde devant.
Il ne peut pas passer. Il regarde à droite. Il ne peut pas passer. Quand bien même il veut reculer, il ne peut pas passer. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Toi qui es dans une oppression et qui cherche le chemin pour fuir. Généralement dans les oppressions, il n'y a pas de chemin pour fuir. Mais sache que tu n'es pas la première personne à se trouver dans cet état. David a regardé en bas. David, il ne voyait que des oppresseurs. Et il a regardé en haut. Il a dit, mon Dieu, mon Dieu. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Les nations m'environnent. Les oppressions m'entourent. Mes oppresseurs m'entourent. Ils sont nombreux comme des fourmis. J'ai envie de fuir, mais je n'y arrive pas. Mais parce que je ne peux pas fuir, je dois combattre. C'est pour cela, au nom de l'Éternel des armées, je les taille en pièces. Alléluia. Je te dis, s'il n'y a plus d'issue pour s'enfuir, c'est qu'il y a une âme pour combattre. Qu'est-ce qui t'empresse et qui ne te donne pas de chemin? Alléluia. Alléluia. Ce soir, quelle est cette situation? Quand tu vas quitter la veillée, à partir de demain matin, cette situation, tu vas voir qu'elle a disparu. Où es-tu? Qui es-tu? Qui êtes-vous, vous qui m'entourez? Tu vas dire avec moi. Quand je dis mes oppresseurs, toi tu vois ce qui t'oppresse. Pour l'un c'est la maladie. Pour l'autre c'est la pénurie d'argent. Même si tu n'es pas riche, Dieu m'a dit que le nécessaire ne manquera pas. Si le nécessaire te manque et que tu es ici ce soir, quand je parle d'oppression, faut le viser. Si l'oppression c'est dans ton foyer, pour ton mari et toi, si l'oppression ce sont tes enfants, pour ils ne te sont pas dociles, si l'oppression c'est dans ta famille, pour où les femmes n'accouchent pas, pour où les femmes ne pourront pas faire longue vie dans le foyer de leur mari, moi je ne sais pas ce qui t'oppresse. Si l'oppression, c'est que les enfants ne réussiront pas. Si quelqu'un dans ta famille a osé dire, si mon enfant ne réussit pas, ton enfant ne réussira pas. Tu qui pour parler ainsi? Tu sais qui est-ce que tu vises dans tes oppressions? Ça ne tiendra pas ce soir. Ce soir, l'Éternel va te dire, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Tu vas regarder derrière toi. Tu vas dire, je ne les vois pas. Au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mes oppresseurs. Il m'entourent. Il m'environne. Il m'environne. Comme des abeilles. Comme des fourmis. Et je ne peux pas m'en sortir. Mais au nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ. Je les taille en pièces. Je la taille en pièces. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je la taille. Je la taille. Je la taille. Je la taille en pièces. Je la taille. Je la taille en pièces. 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 Je la taille. Je taille, 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 je taille
Amalakasotaya. Manere Bresseliba. Lucaria Baba Sopa. Des oppresseurs tombent. Des oppresseurs reçoivent le pays. Je la taille. 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 Il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Cette malédiction de famille qui te presse depuis 15 ans, je déclare ce soir, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, cette malédiction qui plane sur tes enfants ce soir. Toi qui es assis sur ton lit, tu es assis sur ton lit en ce moment et tu m'écoutes, tu me regardes, je déclare le malade qui est à côté de toi, le malade qui est à côté de toi, que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants, et qui est oppressé par une maladie, et que tu m'écoutes ce soir, je déclare la maladie tombe de sa vie et il se relève à l'instant même, ce n'est pas dans 5 minutes, à l'instant même. Je le relève. Il se relève. Je le parce que les esprits familiers. Au nom de Jésus. La sorcellerie familiale. Je le prie encore. Esprit de l'éternité. Je le taille. La prince de la canne de brécha. Esprit de chômage. Je le taille. La paliacaliata. La Pasco Paliade le Preseca. L'Ukarika se Paliade. La Zoukata. Soukapa Zote. La Zoukaria Oyata. La Zouka Paliata. Esprit de stérilité, je le taille. Esprit de chômage, je le taille. Esprit de maladie, je le taille. Esprit de paralysie, je le taille. Taille, taille, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Luna, 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 Luna. L'éternel se lève pour toi. Il se lève. Il se lève avec son armée. L'éternel se lève avec son armée. Il te soutient dans le combat. Il te soutient dans le combat. Il te soutient dans le combat. Satan. 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 Waouh, waouh. Fonce encore, fonce encore. Fonce encore, 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 la sorcellerie, je te taille. La stérilité, je te taille. Le célibat, je te taille. La pauvreté, je te taille. Je ne vois plus. Où es-tu? La maladie, je te taille. Le chômage, je te taille. Il est taillé, il est taillé. Le célibat, il est taillé. La pauvreté, le chômage, l'échec. Il est taillé, il est taillé. Faut tailler l'échec de ta vie. Où es-tu? Où es-tu, toi, la sorcellerie? Où es-tu, toi, ta maladie? La sorcellerie. Où es-tu, toi, maladie? La sorcellerie familiale. Où es-tu, toi, chômage? Il est taillé. Il souma l'ivaria, ta taille. La coupe de la masse au cariaca. Ça tombe, 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 ça tombe. Où es-tu, toi, esprit de pauvreté? Où es-tu, toi, esprit de non-accomplissement? Où es-tu, toi, esprit de célibat endurci qui combat les mariages?
qui combat les foyers ce soir. Il est taillé. Il faut le tailler. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui a tellement essayé, qui est fatigué d'essayer. Tu as tellement essayé. Je ne sais pas si c'est commerce. En tout cas, tu as tellement essayé qu'aujourd'hui tu es fatigué d'essayer. Il me dit de te dire, après ce combat, essaie encore. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu prends et que ça ne marche pas. Je ne sais pas quel est ce souci qui te presse. Quand tu dors avec le souci. Quand tu te réveilles avec le même souci. Tu marches dans toute la journée avec le même souci. Et quand bien même les hommes te voient, c'est au nom de ce souci qu'on t'appelle. Ce soir, le nom va changer. Alléluia. Alléluia. Quel est ce nom qui me presse? Quelle est cette force qui me presse? Qu'est-ce qui oppresse autant ma destinée? Tout ce que tu vis n'est pas normal. Il y a certaines choses que tu vives qui ne permettront jamais que tu atteignes ta destinée. Il faut que ça s'arrête. Et donnant doté. Assez doit être assez. Et ça, ça doit s'arrêter. Et donnant noté. Assez, c'est assez. Et où quand et ni nomment. Alléluia. Alléluia. Assez, c'est assez. Et où quand ni nomment. Fouille encore. Les bâtonnants, il y a d'autres choses qui t'oppressent. Il y a des choses tellement qui t'ont oppressé que tu as pris ça comme ton fardeau. Ton oppresseur ne deviendra jamais ton fardeau. Ou bien l'oppresseur ne deviendra jamais ta vie normale. Il faut que tu refuses cette vie normale-là. C'est anormal de vivre sans pouvoir vaincre ses oppresseurs. Et c'est ta destinée qui est visée. Tu vas dire, Seigneur, Tiens-toi debout. Alléluia. Tu vas dire, mon Dieu. Mon Dieu. J'ai une destinée glorieuse. Attends. Ta destinée, ça peut être le type de ton mariage. Ta destinée peut être la couleur de ton travail. Ta destinée peut être la quantité de ta richesse. Ta destinée peut être la puissance que Dieu va déployer par toi dans le monde. Ta destinée, elle est glorieuse. Seulement que nos destinées ne sont pas glorieuses dans le même domaine. Le domaine dans lequel ta destinée est glorieuse n'est pas forcément le même dans lequel ma destinée est glorieuse. Mais nous avions tous des destinées glorieuses.
C'est pourquoi nous avons tous des combats de destinée. Tu m'as dit, mon Dieu, je sais que j'ai une destinée glorieuse. Que j'ai une destinée glorieuse. Mon Père, ce soir, je me lève contre les oppressions de ma destinée. Tout ce qui oppresse ma destinée. Tout ce qui oppresse ma destinée. Tout ce qui m'oppresse ma destinée. Tu m'as dit que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les oppresseurs. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur Goliath. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les esprits méchants qui attaque ma destinée. C'est pourquoi ce soir, je me lève, et je marche sur mes oppresseurs, les oppresseurs de ma destinée. Je marche sur eux, je marche, car tu m'as dit, tu fais de mes ennemis le marche-pied, pour atteindre ma destinée. Vous mes oppresseurs, vous devenez mon marche-pied. Vous mes oppresseurs, vous devenez mon marche-pied. Et je marche sur vous, je marche sur vous, je marche sur vous, je marche sur vous, je marche, je marche, je marche, je marche sur vous. Je marche sur vous. Je marche, je marche, je marche. Marche, marche, marche. Je marche. Je marche. Je marche. Lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Je marche sur vous pour atteindre ma destinée. Je marche sur vous pour atteindre ma destinée. Je marche sur vous. Je marche sur vous. Je marche sur vous. Je marche sur vous pour atteindre ma destinée. Je marche. 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 Akumina Loriasa, Kilume Biatakoyaki, Elunia Valuria, Castoma Cabaniatako, Mori Brasi, Kiliweria Takaye, Elegante Atomako, Lorima, Malaria, 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 Je vous terrasse, je terrasse, j'écrase, j'écrase. Terrorie. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Je marche dans vous et vous êtes consumés. Je marche dans vous et vous êtes explosés. Je marche dans vous et vous êtes supprimés. Je marche dans vous et la terre vous avale. Je marche de vous. Elohim. Je marche de vous. La masse abattue.
L'oppression s'arrête ce soir. 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 Ah! Nom de Jésus. Nom de Jésus. Prasa Maria Sekia. Qu'il me l'onne. Au nom de Jésus, l'ennemi a dit et j'ai détruit. La coupe à Liana, l'icoria la bacha. Je réduis à néant. Aïe aïe aïe. La balousa. Aïe aïe aïe. La soukaria. J'entends des bruits de guerre. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, les oppresseurs fuient. J'entends des bruits de guerre. Je dis, ne me pas, mon père. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mon fils, je combats pour vous. Je combats pour vous.
Jésus. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui combat avec la peur. J'espère qu'il n'y a personne qui combat avec la peur. Alléluia. 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 L'exhortation nous a amené à comprendre qu'on ne combat pas dans la peur. J'espère que dans le combat, il n'y a pas une pensée qui te vient et qui te demande. Tu es sûr que ça va disparaître. Alléluia. Je suis plus Alléluia. Que convaincu. Amen. Alléluia. Je combats avec assurance. Plusieurs combattent avec espérance. Je ne combats pas avec espérance. Je combats avec assurance. Parce que la foi, c'est l'assurance de l'espérance. C'est une assurance des choses qu'on espère. Je ne combats pas espérant gagner. Mais je combats avec l'assurance que j'ai gagné. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on fasse cette mise à jour avant de continuer. Je ne combats pas espérant que cette maladie va quitter. Je ne combats pas espérant que cette malédiction va s'arrêter. Mais je combats avec l'assurance que ça s'arrête. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever. Qui est-ce qui court derrière toi dans tes songes? Quel est cet animal qui jusqu'aujourd'hui ose te pourchasser? Moi, depuis un bon moment, on ne me pourchasse plus. Je suis devenu le pourchasseur. La Bible m'a dit, celui qui pillait sera pillé. Celui qui pillait, il sera pillé. Donc celui qui oppressait sera oppressé à partir de ce soir. Si tu dors, tu ne seras pas pourchassé sinon à ma parole. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie ce soir au nom de Jésus, que si tu dors, écoute bien, si tu dors et que quelqu'un se pourchasse et que tu te réveilles brusquement ici, la puissance de Dieu va te faire endormir. Et tu vas rentrer dans le même songe. En train de pourchasser ce qui te pourchasse. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit refuser. Si tu dors et que quelque chose te pourchasse et que tu te réveilles, dis Seigneur, je dors à nouveau. Je dors à nouveau. Et tu me ramènes exactement là où le combat était. Maintenant, en tant que pourchasseur. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, ils auront tellement peur qu'ils ne voudront pas retourner dans le songe. Alléluia. Même si je vois un dragon, si je me réveille, je retourne dans ce sommeil-là. Alléluia. Alléluia. Je vous donne rapidement un témoignage qu'un homme de Dieu m'a donné. On va continuer. Il y a quelqu'un, un esprit de sorcellerie qui vient toujours oppresser sa mère au point de vouloir le tuer.
Et à chaque fois, il mène le combat. Il mène le combat. Il est arrivé à un moment donné où l'esprit qui oppresse la mer a constaté que sa force est devenue trop. Et il est allé chercher des renforts. Et dans un songe, ils sont venus. Et ils ont eu la force sur l'homme de Dieu. Et il s'est réveillé. Il dit, Seigneur, je dors à nouveau. Je refuse d'être vaincu. Je retourne dans ce sommeil. À la même position. Et effectivement, il a dormi à nouveau. Et il les a vus maintenant. Mais cette fois-ci, quand il regarde derrière lui, il voit un vieux qui est assis tranquillement. Et les renforts qui étaient venus, celui qui a invité les renforts, il a dit aux renforts, rentrons. C'est mieux qu'on s'en aille. Les autres ont dit, mais tu nous as appelés pour le combat, comment on va partir? Mais de là, laissons-le partir. Et l'homme de Dieu dans le son disait, vous n'allez partir nulle part. Vous allez rester. Et on va mener ce combat-là. Amen. Et tellement il regarde le vieux qui est derrière lui, le monsieur lui dit, laisse-les partir. Pourquoi? Parce que cette fois-là qu'ils sont partis, ils n'oseront plus jamais venir. Amen. Quel est le niveau de ton audace? Je refuse d'être pourchassé par un animal. Si un animal me mord, je vais le dévorer dans le même songe. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un vient contre moi, je me tiens devant lui, sachant qu'il y a quelqu'un derrière moi. C'est pourquoi tu vas te lever. Qui es-tu oppresseur dans mon songe? Qui es-tu oppresseur dans mon songe? Qui es-tu oppresseur dans mon songe? Qui es-tu, toi qui me pourchasse dans mon songe? Qui es-tu, toi qui viens manger mes dossiers dans mon songe? Qui es-tu, toi qui viens manger mes habits dans mon songe? Qui es-tu, toi qui viens crier dans mon songe? Qui es-tu, toi qui viens me menacer dans mon songe? Qui es-tu, qui es-tu? Qui es-tu, qui es-tu? Qui es-tu, qui es-tu? Ce soir, je me lève contre toi. Je te renverse. Je te renverse. Prie au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, prie. Roda. Celui qui te chassait sera chassé. Celui qui te poursuivait sera poursuivi. Le rat qui est venu dans ton songe pour manger ton dossier. Chose ma soeur, maintenant même. Il vomit ton dossier. Ton dossier d'embauche dans cette entreprise qui a été mangé par un rat. Ce soir, je saisis ce rat et je le fais vomir. Ton passeport que tu as vu dans ton rêve en train d'être volé. Qui es-tu, voleur de mon passeport? Qui es-tu, voleur de mon passeport? Je t'ordonne. Je reprends mon passeport. Je reprends mon passeport. Qui es-tu, œil maléfique? Œil maléfique. Qui regarde ma grossesse dans mon songe? Au nom de Jésus, je te regarde. Et le feu qui sort de mes yeux, le feu qui sort de mes yeux, te brûle au nom de Jésus. Te brûle au nom de Jésus. Qui es-tu, chien, qui me mord dans mon songe? Au nom de Jésus, je te défends. Maria Kaliabara, je te déchire. Toi, chien, je te déchire en plusieurs. Je te déchire en plusieurs.
toi, animal. Maintenant, au nom de Jésus. Wow. Je te détruis. Wow. Je t'anéantis. Wow. Maintenant au nom de Jésus. Wow. Toi oppresseur. Yeah. Qui vient voler mon habit. Oh. Qui vient me changer d'habit. Toi qui vient contrôler ma richesse. Cette nuit au nom de Jésus. Ouais. Je te ramasse. 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 Je te qui vient me menacer dans mon songe cette nuit? Je te menace au nom de Jésus. Je te menace au nom de Jésus. Je te menace. Je te menace. Je te menace. Toi, esprit d'accident. Toi, esprit d'accident. Quand je vois dans mon songe, quand je vois dans mon songe, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends la voiture. Je prends la voiture. La voiture de Jésus. Et je t'écrase. Je t'écrase. Je passe dans sur toi. Je te rends à cendre. Je te rends au néant. Je passe dans sur toi. Je viens maintenant. Yeah. En position de guerre. Yeah. Je me place maintenant. Yeah. Sur la montagne de l'Angleterre. Wow. Je pars contre toi. Le songe dans lequel j'ai vu un pic rouge en train de barrer mon CV, en train de barrer mon acte de mariage, en train de barrer mon acte d'accouchement. Et je m'étais réveillé seulement. Ce soir, je saisis le pic vert de Jésus. Je saisis le pic vert de Jésus. Je retourne dans ce songe. Et je coche. Je valide le dossier. Je valide mon mariage. Je valide mon accouchement. Je valide ma ruselle, ma réussite. Je valide. Je valide. Le succès de mes enfants. Le succès de mon commerce. Le succès de mon mari. Mon mariage. Mon accouchement. Mon enfantement. Ma réussite. Ma progression. Ma progression. Mon ascension. Valide. Mon ascension, valide. Mon bac, valide. Ma licence, valide. Mon master, valide. Mon doctorat, valide. 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 Mon embauchement. Je valide, je valide, je valide maintenant. Je valide ma position d'autorité. Je valide ma position de domination. Je valide ma position de contrôle. Yes. Malakosa paragala. Ma condole preselida. Ma luz belia. Ma luz belin belia. Je prends le contrôle. Le bébé de Beso Bele Bechakaraba. La barakunde le brasa la barakunde. La baraka. Le condé, le menace libéré,
Je valide. Je déchire la malédiction. Je mets la bénédiction. Je déchire la bénédiction. Je déchire la malédiction. Je révoque la bénédiction. Je proclame la bénédiction. La lona qui a casta malo, la loquia la sacata malo, l'oria qui a casta qui est là. Maintenant, au nom de Jésus, ça se bat et ça s'accomplit. Toute entité ou toute personne qui se dit tant qu'il vit, que moi je ne vais pas évoluer. Maintenant, au nom de Jésus, moi je viens, je me tiens sur la montagne. Je dis à partir de maintenant, je suis assis à la droite. Malouseba, à la table des rois. Opakaya, à partir de maintenant, le soka, ma renommée qui est fermée, ou pas la sopé, ma renommée qui est bouclée, ou sur la paliade, au nom de Jésus, ma kune, l'incapable sapé, alloua baba sheba, l'impapa soliaba, à partir de maintenant, l'impalia sopé, ma sopé l'impaliaba, au nom de Jésus, l'impalia, l'incaliaba, l'incapane. La scopa libé, Gloria Baba, à tous les membres, Gloria Baba, Okoria Cassino, Icaria Canerebe, Icaria, Icapia, maintenant, celui qui m'a maudit et qui a ri ou qui a ricané méchant contre moi, moi je viens, je déclare à partir de maintenant, maintenant tu as échoué, moi j'en ai ma joie, j'en ai ma gloire, toute bonté est fermée. Je connais quelqu'un qui a libéré Pierre. Et dit Pierre, suis-moi. Maintenant, au nom de Jésus. Je ne vois plus de barrières. Au nom de Jésus. Je sois victorieux. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Où sont ceux qui t'oppressaient? Mais où sont-ils? Gloire à Jésus. Vous savez, mais toi. L'oppression, c'est un état d'esprit. À partir d'aujourd'hui, là, ne te regarde plus comme oppressé. Deviens l'oppresseur par excellence. Est-ce que les enfants de Dieu doivent oppresser? Mais nous sommes à une prière agressive. Alors est-ce que les enfants de Dieu doivent agresser? Alléluia. Alléluia. Marche comme un oppresseur. Et sois conscient que celui qui osera
Levez son petit talon contre toi. Ah, là il a cherché l'oppresseur. Alléluia. 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 Ce n'est pas un combat Chanel. Toi qui es oppressé dans ton entreprise ou dans ton lieu de travail ou dans ton marché, mets-toi seulement sur tes genoux. Mets-toi seulement sur tes genoux. Et parle contre l'esprit d'oppression. Il dit: je ferai de tes ennemis ton marchepied. Les mêmes qui se tiennent gaillardement devant toi, ils vont commencer par se rabaisser. Et tu marcheras sur eux pour entrer dans ta gloire. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier contre deux derniers oppresseurs. Les oppresseurs de salut. Alléluia. Alléluia. Les oppresseurs de salut. Eux, ils vont attendre le dernier moment pour t'attaquer. Alléluia. Alléluia. Les plus farouches ennemis ne se présentent pas premièrement. Qui es-tu oppresseur de mon salut? Qui es-tu oppresseur de mon salut? J'ai été racheté à un grand prix. Tu vas juste déclarer avec moi. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Qui es-tu oppresseur de mon salut? Qui es-tu oppresseur de mon salut? Qui es-tu oppresseur de mon salut? J'ai été racheté à un grand prix. J'ai été racheté à un grand prix. Es-tu à l'argent? Toi, oppresseur, es-tu l'argent? Je n'ai pas été racheté à un prix d'argent. Es-tu de l'or? Je n'ai pas été racheté au prix de l'or. Es-tu un diamant? Je n'ai pas été racheté au prix d'un diamant. Qui es-tu oppresseur de mon âme? Qui es-tu oppresseur de mon salut? J'ai été racheté au prix du sang de Jésus. J'ai été racheté au prix du sang de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je viens contre toi par le sang de Jésus et je t'engloutis. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame encore Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Ayez de l'assurance. Ayez la foi. Le combat que nous faisons chaque vendredi, c'est un combat de foi. Si tu viens en étant conscient que tu es victorieux, tu retourneras victorieux. Mais si tu viens en espérant être victorieux, tu risques de ne pas retourner victorieux. Alléluia. Alléluia. Ce qui t'oppressait avant ce soir, moi je ne le vois plus. Alléluia. Alléluia. Si tu sens l'oppression, lève-toi. Dis: qui es-tu oppresseur? Qui es-tu oppression? Qui es-tu? Qui es-tu oppresseur? Pose-lui la question trois fois et déclare une parole sur lui. C'est ce que tu dis là qui se passe. Parce que face à cette multitude d'oppresseurs, Jésus a dit: tout
tout est accompli. Et jusqu'aujourd'hui, tout est accompli. Jusqu'à ce soir. Et jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Tout reste et demeure accompli. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame une fois encore le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Acclame Jésus pour ta vie. Acclame Jésus pour ta vie. Parce que Jésus t'a rendu victorieux. Parce que Jésus a fait de toi maintenant un agresseur. Jésus a fait de toi victorieux. Pas seulement pour aujourd'hui, mais jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui veut prier? Alléluia. Qui veut prier? Mendia Rode. Aïe 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 aïe. Si Jésus là, sois confiant tellement. Qui veut prier? Mendia Rode. C'est jusqu'à l'aube, hein? Kakaï, ni moi, mais. Amen. Alors, nous sommes à la fin vraiment de cette soirée de la prière. Et je sais que. On tourne. Il y a d'autres qui ne sont pas fatigués. Mais des volets qui vont nous tirer. Et veulent qu'on continue encore. Et tu l'as mis les deux nous quand il. Alléluia. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Et que le Seigneur vous bénisse. Et les requêtes que nous avons reçues cette soirée. Les autres amis, Badantin, les. Je vous en prie, si vous avez la possibilité. Savons-nous une demi-pe ou. De continuer la prière. Pendant les deux nous qu'on des ou. À la maison. Vous pouvez le faire. Alléluia. Alléluia. C'est important. Et chacun connaît là où l'ennemi le poursuit. Alléluia. Alléluia. Chacun connaît le degré de ton combat. Mais le coup, si tu connais le degré de ton combat et que tu es conscient de ton combat, je crois que tu vas prier la tête en bas, les pieds en l'air. Alléluia. Pour que Jésus fasse quelque chose. Alléluia. Qui peut arriver à cette dimension? Cette grâce tombe sur toi au nom de Jésus. Amen, amen. Sois béni. Alors, nous allons apporter nos offrandes devant le Seigneur. Nos offrandes que nous avons amenées, tu vas prendre, tu vas prier là-dessus. Tu vas dire, Seigneur, voici mon offrande. Ta parole m'a enseigné que les offrandes de Tabitha ont parlé en faveur d'elle. Pendant que Tabitha n'a plus de voix, pendant que Tabitha n'a plus de cri, pendant que Tabitha n'a plus de bouche, ta parole me dit que les offrandes de Tabitha ont parlé en sa faveur. Seigneur, je te présente mon offrande maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, je prie que mon offrande parle en faveur de moi. Ta parole me dit que pendant que Abel n'est plus, que l'offrande qu'il a fait l'a défendu auprès de toi. Au point où le sang de Abel a crié en faveur de Abel. Pour que tu défends Abel. Seigneur Jésus, en ce moment, je connais que l'offrande continue à parler. Seigneur, que la voix de mon offrande joint à la voix de ton sang à la croix et parle en faveur de moi. Pendant que je serai sans voix, pendant que je n'aurai pas la force, pendant que j'aurai besoin de toi, Seigneur, souviens-toi de moi. De même que l'offrande de Corneille a parlé en faveur de lui. Seigneur, je prie maintenant que mes offrandes crient en faveur de moi. Et que tu m'exauces. Et que tu m'exauces. Et que tu m'exauces. Maintenant, au nom de Jésus. Et dans les jours à venir, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu m'as exaucé cette soirée. Au nom de Jésus. Nous allons apporter maintenant nos offrandes devant le Seigneur. Ainsi, nous laissons le micro au chantre qui nous donne une chanson pendant ce moment. Tu avances. Et tu apportes ton offrande. Amen. Idimo, 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 idimo.
Alors nous rappelons que demain, de 10h jusqu'à 16h, les hommes de Dieu sont ici pour le moment de l'écoute et de délivrance. Et si le Seigneur permet, nous pouvons aller aux eaux de baptême. Encore ceux qui sont concernés et qui sont en jeûne pour la délivrance, nous vous invitons à se présenter demain à 10h. Alléluia. Alléluia. Et nous rappelons que mina le dimanche, nous sommes ici pour le culte d'adoration en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'heure de rassemblement ici, c'est à 9h. Alléluia. Alléluia. Le retard n'est pas vraiment conseillé. Aussi, l'absence n'est pas permis. Il est grand, il est nac béton. Alléluia. Alléluia. Donc il est vraiment important qu'on soit ici et qu'on soit aussi à l'heure devant le Seigneur. Parce que nous n'avons pas rendez-vous avec un homme, mais avec celui qui a le pouvoir sur le souffle de notre vie. Alléluia. Alléluia. Voilà un peu les annonces qui sont à notre niveau. Et vous allez devoir vous lever et nous allons prendre la prière de la fin. Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Luc, et il va prier sur les offrandes et sur les actions de grâce. Et après cela, il va nous confier entre les mains du Seigneur et bénir chacun de nous. Amen. Acclame Jésus pour ta vie. Gloire à Jésus. Nous rappelons que le dimanche, il y aura l'inauguration de la cellule de Akpakpa en l'église. Donc, comme il a dit tout à l'heure, nous devons être là tôt pour que la délégation qui doit partir à Akpakpa soit désignée. Amen. Alléluia. Seigneur, te disons merci. Merci pour cette nuit de combat offensif, Seigneur. Papa, j'ai vu tes brebis engagées dans ce combat. Nous avons vu, Seigneur, ta force, ta puissance engagée dans ce combat. Seigneur, ce que nous voulons, à partir de l'instant, des témoignages fusent de part et d'autre, Seigneur, pour réjouir le cœur de tes enfants. L'Éternel des armées, ta parole nous dit qu'il nous soit fait selon notre foi, la foi avec laquelle chacune de tes brebis sont engagées ce soir. Papa, honore une telle foi, Seigneur, que tout ce qui constituait leur poids, leur fardeau, tombe à l'instant au nom de Jésus. Seigneur, leur retour soit avec ta joie, la joie dans leur cœur. Papa, tout ce qui les assaillait, tout ce qui les poursuivait, tout ce qui les opprimait, et les Seigneur, nous déclarons qu'ils sont tombés à jamais au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Et quand tu dis c'est oui et amen, nous selon tout ce qui a été dit en ce lieu, toutes les prières qui sont montées à toi, nous les selons dans le sang de Jésus et nous les conduisons à leur concrétisation pour la seule gloire de ton Saint-Nom dans la vie de chacune de tes brebis au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour tes serviteurs que tu as déployés à cet effet. Merci Jésus, fortifie-les, galvanise-les Seigneur, double leur onction encore. Papa, si tu tardais à venir, donne-nous la grâce qu'encore tout à l'heure, nous puissions nous retrouver en ce lieu pour alors la phase de la délivrance
des âmes, papa. Seigneur, tu es le Dieu de délivrance. Toutes les âmes qui vont se présenter, Seigneur, interviens dans leur vie pour une totale délivrance au nom de Jésus. Seigneur, ce qui fait le souci de tes brebis, ce qui fait le souci de chaque foyer, ce qui fait le souci de chaque famille, ce qui fait leurs besoins, car nous savons que tu es la solution aux besoins de chacun. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je suis plus que convaincu de ce que tu as solutionné aux besoins de chacun. Papa, merci de l'avoir fait. Seigneur, de tout ce que tu nous as donné comme bénédiction, nous venons de t'offrir une toute petite portion comme offrande, Seigneur. Nous voulons que cela contribue à l'avancement de ton œuvre. Alors bénis cela et multiplie-le, Seigneur. Nous saisissons l'occasion pour te présenter tes serviteurs qui sont dans les collines. Seigneur, tu as commencé à travailler avec eux et ça se poursuit jusqu'à demain, jusqu'à tout à l'heure. Seigneur, fortifie, donne des orientations et galvanise-les, Seigneur. Ils sont partis en paix et ta promesse est qu'ils reviendront en paix sous ta direction. Nous laissons tout entre tes mains. Voici, nous allons nous séparer de corps, mais spirituellement, nous sommes un en toi. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, que tu mettes chacun dans ton convoi. Convoi retour, Seigneur. Que le retour soit béni. Soit béni. Et soit béni. Et tu déploies ton armée autour de chacun. Érige-toi en muraille de feu. Et couvre, Seigneur, tes enfants du pan de ta robe. Au nom de Jésus, acclamons le roi des rois. Et Shalomé, ton frère, ta sœur, avant de partir.